Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre tirage tarot pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce que la vie vous prépare? Et bien, je commence. On va regarder pour vous l'ambiance générale. Qu'est-ce qui vous attend au mois de septembre? Qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, vous savez, très intéressant parce que je vois que vous réalisez votre rêve. La carte l'étoile pour vous, vous savez, le rêve le plus profond, peut-être quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis très très longtemps. Eh bien, déjà, ça va se produire au mois de septembre. Vous savez, pour chacun, c'est individuel. Ça peut concerner votre vie amoureuse. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, la personne sera comme votre idéal. Ou peut-être déjà, si vous avez la relation en ce moment, ça se développe. Peut-être vous pouvez réaliser un voyage de rêve, un amoureux, ou ça peut concerner votre réalisation dans le travail. C'est la carte qui montre la popularité. Quand vous pouvez être très bien inspiré au mois de septembre, peut-être il y aura des idées créatives qui arrivent. Vous pouvez vous réaliser, montrer votre talent. Donc la carte magnifique. Donc faites un vœu. Donc ça va se réaliser au mois de septembre pour vous. Vous savez, ça peut être d'autres choses, vraiment pour chacun c'est individuel, mais c'est votre rêve le plus profond. Vous savez, je vois en même temps la carte magnifique et très forte, magicien pour vous. Vous savez, quand déjà, premièrement, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir quelqu'un très puissant, quand vous êtes capable de réaliser tout ce que vous souhaitez. Et c'est la carte qui montre, faites confiance en vous, vraiment, vous devez croire en vous que tout est possible, et peut-être même ça va se passer plus facilement par rapport à ce que vous pensez, donc c'est possible. Donc voilà, vous savez aussi, ça peut montrer la personnalité d'un homme pour madame. Vous savez, quelqu'un qui est un grand séducteur, peut-être il peut vous organiser les rendez-vous amoureux surprenants. Et bien, peut-être il y aura des surprises avec lui, et bien sûr qu'avec cet homme, la relation elle ne sera pas banale. Donc, mais attention, quand même, un grand séducteur, quand peut-être il voudra vous étudier un petit peu. Donc, mais vous savez aussi qu'en même temps, quelqu'un qui est très puissant, qui peut avoir une très grande réussite, la réalisation, je pense que, monsieur, vraiment, vous devez vous sentir ce magicien quand tout est possible pour vous. Donc, vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc, voilà, et bien. Donc, vous savez, je vois en même temps, donc aussi, une autre carte qui est assez forte. Vous avez quand même ici trois arcanes majeures. C'est la carte Hiérophante qui montre, vous savez, d'un côté, c'est vos valeurs, votre croyance. Et vous savez, peut-être vous ne devez pas abandonner quelque chose qui est important pour vous dans la vie amoureuse. Par exemple, votre famille, des liens que vous avez créés avec les gens qui sont auprès de vous. Peut-être tout simplement votre réalisation dans le travail. Mais en même temps, c'est la carte qui montre un petit peu que la vie vous bénit, on va dire, et la vie va vous guider vers quelque chose d'important pour vous, peut-être la réalisation dans le travail toujours, quand peut-être vous allez faire des rencontres intéressantes, les gens qui peuvent vous guider également. Vous savez, ça peut être aussi une personne qui peut vous donner des réponses importantes, qui peut vous très bien conseiller. Donc ça peut être quelqu'un dans votre famille. Donc voilà, et bien, mais quand même, la carte qui montre notre croyance et qu'est-ce qui est important pour vous. Ça peut montrer également, vous savez, des fêtes dans la famille et des cérémonies assez officielles, peut-être même des cérémonies à l'église. C'est tout à fait possible. Vous savez, en même temps, je vois ici l'énergie de madame. Eh bien, vous serez amoureuse. C'est la carte qui montre que vous allez rêver beaucoup. Donc, la vie amoureuse va jouer un rôle important aussi pour vous au mois de septembre. Pour messieurs, ça montre cette femme féminine, élégante, peut-être un petit peu sensible. Donc, elle peut vous apporter des sentiments, des émotions. Elle peut vous inspirer. Donc, soyez attentifs. Vous savez, en même temps, j'ai envie de prendre une carte supplémentaire parce
que ici, j'ai quelques indices pour vous. Vous savez, je pense que vous pouvez avoir quand même une petite déception au mois de septembre. Et je pense que c'est lié plutôt à votre travail, à votre équipe. Donc, soyez attentifs. Mais ensuite, on va voir les détails à tout ce qui concerne votre carrière et finances. Mais une petite déception, peut-être, tout ne va pas se passer comme vous l'avez prévu. Donc, peut-être, vous savez, soit c'est une personne, soit les situations dans le travail qui peut vous décevoir. Donc, soyez attentifs. Mais globalement, c'est vraiment magnifique. Parce que je vois pour vous cette carte, l'étoile. Vous réalisez votre rêve et vous allez vous sentir vraiment ce magicien, cette magicienne. Donc voilà, et bien, on va voir la suite. Donc, carrière, finance, qu'est-ce qui vous attend ici? Et bien, très intéressant. Et qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, je dois vous dire ce qui est plus important, c'est quand même que la carte, l'étoile, il se répète pour vous, et bien, deux fois pendant un tirage, c'est quand même très fort, c'est la guidance qui est très importante pour vous, et ça peut montrer votre réalisation dans le travail, la créativité, vous pouvez montrer votre talent, ici aussi le rêve, dans votre travail, vous réalisez cela, peut-être un nouveau poste, l'évolution, peut-être, mais c'est plutôt la carte qui montre quand même votre créativité, l'inspiration. Peut-être vraiment vous allez avoir envie de vous montrer et ça va se produire. C'est la carte de popularité. Quand vous pouvez être vraiment remarqué parmi les autres, donc c'est possible, il faut être en vœu. Donc, vous réalisez votre rêve au mois de septembre. Vous savez, je vois en même temps cette carte, la roue de la fortune qui me montre la chance arrive en même temps pour vous. Ça peut être des rencontres intéressantes. Ça peut être ou même quelque chose que vous n'attendez pas du tout, les circonstances favorables, des propositions, des opportunités un petit peu surprises qui se représentent pour vous dans votre carrière au mois de septembre, donc soyez attentifs. Et bien sûr, vous savez, cette carte, ça peut montrer aussi comme un cycle qu'on termine, donc la période des vacances se termine et on commence la rentrée aussi, cette nouvelle année un petit peu professionnelle pour chacun, mais globalement, la carte de chance que vous devez saisir absolument. Vous savez, je vois, c'est quand même incroyable parce que regardez pour vous. La carte magicien, il se répète également pour le travail, vraiment la guidance très forte. Et en plus, vous voyez, donc, au début, nous avons vu un monsieur et maintenant, on voit la carte, la magicienne, qui indique aussi les capacités pour mesdames, que vous pouvez vous réaliser. Vous devez aussi faire confiance en vous, donc tout est possible. Et ici, la même chose, vous pouvez faire une réalisation, quelque chose que, qui peut être même plus facile pour vous, quelque chose que vous n'attendez pas, et vraiment confiance en vous. Et maintenant, vous devez vraiment vous lancer. Vous avez tout dans votre pouvoir pour avoir cette réussite. Vous avez l'expérience, des bonnes idées, créatives, peut-être c'est possible. Vous avez cette volonté, motivation. Donc maintenant, il faut passer vraiment à l'action pour réaliser toutes vos idées. Donc magnifique. Mais vous savez, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui peut vous préoccuper. C'est possible. Vous savez, souvent, cette carte, ça montre que c'est imaginaire. C'est un petit peu à l'intérieur de vous, quand peut-être il y aura de grandes opportunités qui arrivent dans votre vie, vous allez vous poser des questions, est-ce que je vais réussir, comment ça va se passer, ça peut être vraiment des surprises intéressantes que la vie vous donne et ça peut vous surprendre, tout simplement. Vous savez, mais en même temps, je vois une évolution pour vous. Vous pouvez avoir des voyages d'affaires, c'est possible. Ou globalement, le changement dans votre travail. Donc, et vous savez aussi, cette carte, ça peut indiquer également un petit peu l'opinion des autres. Donc, dans votre carrière, que qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je suis à la hauteur? Donc, vous avez à avoir un petit peu des doutes au mois de septembre. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison parce que les cartes me montrent que vous réalisez votre rêve. Et vraiment, vous êtes ce magicien, cette magicienne, que tout est dans vos pouvoirs. Donc, allez-y. Et un petit peu, la chance vous sourit également. Donc, il y aura des perspectives et des opportunités que la vie vous donne. Donc, très intéressant. Eh bien, on va voir la suite. Donc, la vie amoureuse. Qu'est-ce qui vous attend ici? Qu'est-ce que nous devons savoir?
Eh bien, très intéressant. Vous savez, je vois que peut-être en ce moment, certaines personnes, vous pouvez avoir des moments de solitude. Et c'est pour ça, peut-être, que nous avons vu cette carte un petit peu le cœur brisé. Ça peut concerner votre vie amoureuse. Mais je vois qu'il y a un homme célibataire qui va jouer un rôle important pour vous, donc au mois de septembre. Donc, je vous explique tout. Eh bien, j'ai envie de voir quelques cartes supplémentaires, quel sera le résultat pour vous. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, je vois que vous pouvez avoir comme une certaine déception, peut-être en ce moment, quand vous pouvez aussi, vous savez, avoir des limites, des barrières dans votre vie amoureuse. Peut-être tout n'est pas facile. Et en ce moment, en même temps, vous êtes un petit peu en attente. Donc, soit il y a des circonstances sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, soit peut-être tout simplement vous attendez que cet homme, il peut prendre l'initiative, que votre vie amoureuse se développe. Vous attendez vraiment la sortie un petit peu de votre situation. Mais je vois quand même que oui, il y a cet homme qui va jouer un rôle important pour vous au mois de septembre. Donc, il sera très généreux en plus. Vous savez, un grand célibataire qui va apparaître dans votre vie, quelqu'un, vous savez, qui a déjà expérience dans sa vie. Peut-être, il a eu des relations avant, il a fait ses conclusions. Maintenant, il sait un petit peu qu'est-ce qu'il souhaite. Peut-être aussi, si vous avez eu déjà la relation avec cet homme, il a eu un petit conflit, il a tout analysé, il a fait ses conclusions. Et donc, je pense qu'il prépare un petit peu une surprise pour vous, peut-être un cadeau. Donc, soyez attentifs. Donc, il prépare quelque chose. Vous savez, je vois également qu'il y aura une discussion aussi assez honnête, quand peut-être ouvertement vous pouvez dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce conflit, donc la situation de maintenant, comment vous voyez votre futur. Pour vous, ça sera important. Et vous savez aussi, la carte Hiérophante, il se répète pour vous. Vous savez, par exemple, toujours comme la vie vous donne cette bénédiction, peut-être pour que vous surpassiez ce conflit, cette situation difficile, que vous avancez vers quelque chose de plus sérieux dans votre relation. Parce que vous savez, souvent, la carte Hiérophante, ça montre vraiment que vous pouvez faire un pas vers la relation plus stable. Ça peut être la création de la famille, ça peut être aussi toujours des cérémonies dans la famille qui vous attend. Donc, un engagement, c'est tout à fait possible. Et je vois toujours l'énergie de ce monsieur, quand il va se montrer quelqu'un qui souhaite justement avoir le développement de votre relation. Mais ici, ça ne sera pas rapide. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de tout analyser. Peut-être qu'il va procéder à pas, donc à pas pour avancer vers le futur. Mais je vois quand même déjà ses intentions, que lui, il souhaite que votre relation se développe. Et quel sera le résultat? Eh bien, vous savez, il y aura un nouveau départ pour vous. Donc ici, je vois As de coupe qui me montre, oui, ça peut être qu'il y aura des nouveautés dans votre relation. Ça peut montrer si vous avez un conflit que vous allez faire la paix. C'est la carte qui peut montrer également la déclaration d'amour, peut-être même la demande d'un mariage, comme on voit ici cette carte de tradition, c'est possible. Donc peut-être, vous savez, ça peut montrer que même si vous avez eu donc une période de solitude ou un conflit ou quelque chose que les circonstances qui jouent sur votre relation, peut-être même pour vous, ça sera un moment, un départ de tout analyser et avoir ce nouveau départ dans votre vie amoureuse. C'est possible, mais je vois quand même cet homme qui n'est pas indifférent par rapport à vous. Donc, et messieurs, ça montre, faites votre analyse, donc vos conclusions, et donc n'hésitez pas de montrer vos sentiments à madame. Donc voilà. Eh bien, on va voir la suite, les surprises et la chance que la vie vous donne. Qu'est-ce que nous devons savoir ici pour vous? Eh bien, très intéressant. Vous savez, je dois vous dire les cartes positives quand même. Je vois l'énergie de monsieur pour mesdames. Vous savez, en plus, c'est quand même quelqu'un qui, comme votre ami, quelqu'un fidèle à qui vous pouvez faire confiance. C'est peut-être aussi un homme qui attend de se montrer, peut-être d'avoir une évolution ensemble avec vous. Donc, il est un petit peu, il pense un petit peu à votre futur. Mais vraiment, quelqu'un à qui vous pouvez faire parfaitement confiance.
confiance. Donc, je pense qu'un homme joue quand même un rôle important dans votre vie et peut-être même ça sera une surprise. Pour certains, ça peut être un admirateur caché qui va se présenter donc dans votre vie au mois de septembre. C'est tout à fait possible. Vous savez, je vois également... Donc, plutôt un très bon indice, parce que les cartes me montrent que si vous avez eu des inquiétudes, quand vous vous posez des questions un petit peu négatives, quelque chose qui peut vous bloquer éventuellement, eh bien, ça se termine au mois de septembre. Il y aura comme cette transformation, donc, vers le meilleur, vers le positif. Oui, parfois, ça peut être un petit peu difficile parce que ça peut vous préoccuper, vous avez des doutes. Donc, peut-être même certaines cartes, vous savez, ça me montre que ça, vous pouvez même ne pas dormir la nuit tellement vous avez ces pensées, c'est possible, mais ça s'arrête au mois de septembre. Il y aura cette transformation et je vois quand même que des changements positifs vous attendent. Une très belle carte, vous savez, qui montre que le bonheur arrive. Vous pouvez avoir de très bonnes nouvelles au mois de septembre. C'est la carte qui montre surtout la création de la famille, quand votre vie amoureuse se développe. Et même, vous savez, ça peut montrer... Soit vous pouvez faire un voyage, ce sera une surprise pour vous. Soit vous pouvez avoir des projets liés à un bien immobilier. Par exemple, un déménagement, c'est possible. Et quand vous pouvez vraiment créer, on va dire, votre nid d'amour. Et donc, vous sentir confortable, bien, avec cette personne qui est auprès de vous. Donc, magnifique. Mais je vois surtout pour mesdames, un homme va jouer un rôle important donc dans votre vie au mois de septembre. Eh bien, on va voir quelques cartes de conseils pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, incroyable. Vous savez, je dois vous dire toujours l'énergie de monsieur. Eh bien, vous savez, les cartes me montrent qu'il peut vraiment devenir pour vous un homme stable. Il peut devenir votre mari. Donc, faites attention. Et pour monsieur, ça montre. Donc, si... vous avez une femme dans votre vie et vous avez des sentiments, donc n'hésitez pas de développer votre relation vers la création de la famille, quelque chose de stable. Ça montre aussi votre réalisation dans le travail, les finances arrivent et vous avez ce succès, donc vous avez une très bonne réussite dans la carrière, vous devez le savoir. Vous savez, en même temps, le conseil du tarot pour vous, si vous avez une situation en ce moment qui n'évolue pas, ça peut être à cause de certaines personnes ou les circonstances sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, vous devez tout analyser et peut-être trouver une autre approche vers cette situation. Peut-être même vous allez avoir les nouvelles idées, vous allez dire que je ne souhaite plus avoir cela, il y a d'autres choses qui m'intéressent, ou peut-être vous allez trouver des solutions qui ne sont pas ordinaires de votre problème. Mais soyez attentifs, même pendant les périodes d'attente, vous pouvez avoir des idées intéressantes qui arrivent. Et après, j'adore parce que la carte, le magicien, il se le répète pour vous trois fois. Vous voyez, la guidance est très forte. Vraiment, c'est très, très important. Ça montre comme conseil pour vous. Vous êtes ce magicien, cette magicienne. Et tout est capable pour vous. Vous avez cette réussite, des idées géniales. Donc, n'hésitez pas. Confiance en vous. Donc, il y a vraiment la réussite, des bons changements qui vous attendent. Donc, voilà, et bien, magnifique. Donc, voilà la guidance des cartes pour vous pour le mois de septembre. Donc, merci pour votre fidélité, vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo et bien sûr, le destin vous appartient.